L'empilage de pierres calées par d'autres pierres. Leur mise en œuvre se fait par rapport au lien. Niciment, mortier, chaud. Ce type de construction existe depuis la nuit des temps. En ce qui concerne les cabanes de Breuil, la première trace écrite remonte à 1449. Elle servait alors d'habitat des paysans qui travaillaient les terres des environs. Il existe d'ailleurs la construction du même genre, à commencer par les baris de Gordes en Provence, les boris. Devant vous à gauche, vous voyez une cabane jumelée dite hérissonnée, car il manque la toiture de l'ose. Toujours devant vous, il n'y a que le mur de base. La prochaine étape sera la réalisation de l'encorbellement. Ensuite, nous pourrons poser la lose. Ces trois cabanes jumelées sont indépendantes de la maison d'habitation. Leur forme en fait une architecture unique. De l'extérieur, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule cabane, alors que de l'intérieur, il y en a trois différentes. Il faut sortir de l'une pour entrer dans l'autre. Aujourd'hui, elles nous servent de débarras et de bâtiments de ferme. Deux tranches de restauration ont été faites sur les toitures extérieures de l'Oze. Celle qui se situe sur votre droite, côté nord, a été restaurée en 70. Celle sur votre gauche, en 92. Été bougirole, en automne les cèpes, en hiver les truffes. Ça veut dire les boris de Provence. C'est le même type de... Elle était anciennement l'atelier du tisserand qui confectionnait les articles de base à base de chanvre, chemises et draps.
Quand les hommes habitaient là, cette cabane était autrement entièrement vide. Il y avait un feu au milieu et les animaux étaient autour. Les hommes dormaient à l'étage sur des poutres. Là. Voilà. Là, où il dit. Ouais, sur les poutres. Où ils avaient aménagé un plancher en rondin. Le mur central et tout le ciment ont été rajoutés par notre grand-père en 1957, ainsi que des crochets que vous pouvez voir dans l'encorbellement. Là. Oui. J'ai dit, voilà. Ouais. Il s'en est servi de séchoir à tabac. La cheminée a été rajoutée en 88 pour mettre en valeur les vieux sujets des grands-parents, les vieux objets des grands-parents. Cette cabane, comme toutes celles du site, fut construite selon une technique bien précise. Les constructeurs de l'époque commençaient par édifier le mur dans son intégralité, environ 95 cm d'épaisseur. Ensuite, ils montaient l'encorbellement de l'intérieur et sans armature, sans cordeau, juste gardé par l'œil. Une fois l'encorbellement terminé, il fallait construire la toiture extérieure en lauze. Comme ces dernières ne peuvent soutenir le poids d'une personne sans se décaler, ils bâtissaient le mur à l'aide d'une échelle. La dernière pierre que vous pouvez voir est juste posée et ce n'est pas, donc pas une clé de voûte. À la base du toit, l'épaisseur en pierre est de 1,10 m, au milieu de 50 à 70 et au sommet de 1 m. L'épaisseur est en rapport avec le poids, il est d'environ 3 tonnes par mètre carré. Ce dernier est un critère de solidité et de longévité de ces constructions. Vous allez acquitter à présent la partie historique du site pour aborder la partie expérimentale qui elle est contemporaine. Ce chantier est réalisé dans un but culturel et scientifique afin de retrouver ces techniques de construction de pierres sèches et ainsi pouvoir sauvegarder notre patrimoine. La cabane sur votre gauche, une cabane entièrement achevée. Thank you.